Bonjour à tous, ici Frédéric Herreis, professeur de guitare autour de Libournais, musicien et pédagogue, et aujourd'hui on va étudier l'accord de la septième plus les notes qui le constituent, c'est-à-dire on va faire son arpège d'accord. On va étudier ça de façon à pouvoir le placer dans une improvisation. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, nous allons étudier sur un accord de la septième. Alors, je vous montre l'accord. Donc on fait un barré case 5 sur toutes les cordes. On met l'annulaire en 7 sur la corde de la et le majeur en 6 sur la corde de sol. Voilà, donc on va travailler sur cet accord-là. Ok. Donc pour les plus avancés d'entre vous en termes d'intervalle, l'accord est constitué d'une fondamentale, d'une quinte juste, d'une septième bémol, une septième mineure, on dit que c'est un accord dominante ou septième, la tierce majeure, on retrouve la quinte et la fondamentale. Donc maintenant, je vais vous montrer les arpèges qui correspondent à cet accord.